Mes chers amis, Erev Shabbat, donnons de la Tzedaka. Erev Parshat Vayetse. Vayetse qui lui raconte comme Yaakov est sorti du confort de chez ses parents. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous voulons déjà sortir, pas du confort de la galoute. On n'est pas confortable dans l'exil. On veut déjà sortir de tout cela pour arriver au confort absolu dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Eh bien, toujours l'habitude, Erev Shabbat, de raconter une histoire. Ces deux dernières journées, nous avons discuté la vie du Mittel Rebbe, Reb Dovber, le deuxième des rabbis de Chabad, qu'avant-hier, le 9 était le jour de sa naissance, son anniversaire de naissance, ainsi que la Hiloula, le jour de la disparition. Hier, le dixième jour, était le jour de Kislev, donc, le jour où il a été libéré de son emprisonnement. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires qui nous démontrent un tout petit peu, puisque nous n'est pas capable de comprendre ce qu'est un tzaddik. Mais juste de par les histoires qu'on nous raconte, on peut se faire une petite idée. Eh bien, d'abord, le Tzemar Tzedek, qui était le neveu et ensuite son beau-fils, disait que si on va couper le doigt, Hasfei Shalom, du Mittel Rebbe, ce ne sera pas du sang qui va couler, ce sera de la chassidoute, les enseignements de la Torah, les plus profondes, qui vont couler. Pour dire que dans ses veines, c'était la divinité qui circulait. Et là, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Le Mittel Rebbe, il était, pour les besoins de l'autrui, il était tellement terre à terre. Il s'est battu pour que les gens puissent avoir de la parnassa. Il a ouvert toutes sortes d'opportunités pour que les gens puissent gagner leur vie. Tout simplement, d'avoir de quoi vivre. Mais dans sa vie personnelle, il vivait dans un autre monde. Il vivait dans un monde de spiritualité. Au point qu'on raconte une histoire que, à la lecture de la parashat Kitavo, qui contient aussi les sévères réprimandes de Dieu par rapport au peuple juif, si chas v'sholom, le comportement n'est pas comme il se doit. Alors un Shabbat, durant la lecture de Kitavo, il a entendu ses réprimandes et s'est évanoui. À tel point que les médecins avaient peur qu'il ne pourra pas jeûner le jour de Kippour, qui est quelques semaines après la lecture de Kitavo, à tel point ça l'a affecté dans sa santé. Quand on lui a posé la question, mais ce n'est pas la première fois que tu entends cette lecture, il dit non, c'est la première fois que j'ai entendu ça. J'ai toujours entendu la lecture de la paracha de mon père, du Balatania. Alors quand mon père le lisait, moi j'entendais le sens profond, comme il est dit dans la Chassidoute, que ces réprimandes, en réalité, ce sont des bénédictions qui viennent d'un niveau tellement élevé que ça ne peut se traduire ici dans une expression de malédiction. Mais en réalité, ce sont des bénédictions qui viennent d'un niveau tellement supérieur. Donc c'était ça ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Cette fois-ci, j'ai entendu des réprimandes effrayantes. Je me suis effrayé. Il s'est évanoui. Similaire histoire, mais dans un autre contexte. Encore jeune homme, son père, donc le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Lehadi, le fondateur du mouvement Chabad, l'a envoyé en mission pour assurer des différentes communautés qui avaient besoin de l'aide particulière. Il est arrivé dans une ville qui s'appelle Orcha et il fallait qu'il passe là-bas la fête de Pourim. Bien sûr, Pourim, on va écouter la lecture de la Megillah. Ce qu'il fait, les gens ne savaient pas qui il était. Parmi les Kahal, il est présent, il écoute la Megillah comme tout le monde. Mais coutume était dans ces communautés que la personne qui lit la Megillah, qui n'est pas payée, alors au moins chacun de la communauté mettait quelques pièces dans une petite boîte et ceci était remis au Baal Koré, celui qui a lu la Megillah. Le Mittel Rebbe, donc Reb Dovber, comme il s'appelait, lui aussi, il a mis un billet de 5 roubles. Tout l'argent de toute la communauté ensemble n'arrivait pas à cette somme. Et les gens étaient surpris qu'il a mis une somme tellement importante. Au point que celui qui a lu la Megillah partit le voir et dit, vous avez dû vous tromper.
je ne mérite pas une telle somme. Elle dit, non, non, absolument, tu le mérites. Mais pourquoi? Elle dit, puisque j'ai entendu une histoire extraordinaire que j'ai jamais entendue. J'ai lu la Megillah. Cette Megillah, c'est la première fois que j'entends. Cette histoire d'Achashverosh et de la reine Esther et de Mordechai, c'est la première fois que j'entends. Et là, le Mashpir Groyne m'avait expliqué, puisque quand il écoutait la Megillah, la lecture de son père, là, il entend chaque fois Hameler, Dieu. Achashverosh représente un niveau extraordinaire. Ça représente la relation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il entendait. Cette fois-ci, c'était une nouvelle histoire. Il a payé pour. Cette sorte d'entente, nous aurons tous autant de la goula avec Mashiach. Alors, Ribbono shel Olam, on voudrait entendre déjà cela avant Shabbat.